Là, on suit la ligne, on va dire jaune, non verte, c'est mieux. C'est marqué UT4M. Alors là, je suis super ému. Ça me donne même des frissons. Oh, c'est pas forcément parce que je suis à Grenoble, mais c'est parce que je suis dans cette rue, la rue Saint-Laurent. Et il y a 25 ans, j'ai habité dans cette rue, j'étais étudiant à Sciences Po Grenoble pendant 4 ans. J'étais le numéro 10, je suis jamais revenu. Je me rappelle même plus où est entré. Putain, c'est où déjà? Elle était super belle là-bas. Oh, c'est là! Putain, elle est toujours là. Normalement, elle appuie là et ça. Et voilà, ben, ça marche tout le temps. Ah putain, je suis trop content. Le 10 rue Saint-Laurent. Top! Ah. La vache. De manière à libérer un petit peu l'arrière du sas pour que tout le monde puisse rentrer. Là on part pour en fait un peu plus d'un marathon par jour pendant 4 jours. Ça va faire 160 km. Et c'est l'UT4M challenge et c'est la première. Bah, je suis vachement content de le faire ce truc-là. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça fera une bonne prépa en plus pour le tour. Ouais. C'est parfait, puis on va avoir des paysages magnifiques. Enfin, on espère quoi. Mais là il est 5h du matin et nous sommes à Vif, au sud de Grenoble. Et pourtant on n'est pas très vif. On va compter sur vous sur cette course. Le décompte, c'est vous qui allez le faire vous-même. On veut tous vous entendre. On commence à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le jour se lève, il est 6h, ça fait une heure de course. Bon, pour l'instant on n'a rien vu, mais ça monte. Ah, t'as vu Ludo? Ouais. Alors là, on vous explique. Il est parti sur le challenge pour voir le dessert du meilleur grimpeur, meilleur descendeur. Il est parti chronométré. Donc, si tu veux te faire mal, bah, tu vas vite sur cette partie. Début du grimpeur. Ça dure combien de temps? Première section. Ah, j'ai pas le chiffre en tête, là, je peux pas. Marc, c'est marrant ce système quand même. Ouais. Toi aussi tu joues le meilleur point? Ouais. Petit point à l'ardent. Pas mal. Non, pas mal, pas mal. Je retiens. Maillot poids et l'ardent. Attention les gars, grimpeur. Non, je déconne. Je me suis pris au jeu. Je joue le grimpeur. Ouais, je me suis bien mis dans le rouge. Et on arrive au sommet. Waouh. Elle a l'air raide, hein. Ouais, super. Bonjour. Alors, petit pois, t'en es où? J'ai les petits pois, t'as les lardons? C'est ça. Allez, à plus. À plus. Bonjour. Salut. Ça a été la montée? Très bien. Voilà les amis, il est 6h30, le jour s'est levé. Nous sommes dans le massif de l'Oisan. UT4M, ça veut dire Ultra Trail. Les 4 massifs et on commence par 48 km dans le massif de l'Oisan. Ça fait du bien de partir pour un ultra et de se dire que ce soir on va dormir tranquille, non? C'est vrai que l'objectif c'est quand même le Tour des Girons et c'est dans 3 semaines. C'est notre dernier gros bloc en fait d'entraînement. C'est pointé là, c'est ça? Non? Oui, mais il marche fort. Ah, je veux bien comme vous voulez, non mais c'est plus pour ça, sinon ça va. Deuxième difficulté du jour, là on prend 700 mètres de dénivelé positif, après on a déjà pris 1000, on monte dans une forêt. Toujours les ultras quoi. Ouais mais là c'est différent là, c'est en 4 jours donc on peut pas appeler ça un ultra parce que vraiment tu sais le fait de se reposer le soir, ça n'a rien à voir avec une distance que tu fais sur 160 bornes. D'accord. Parce que sur 160 bornes,
40 km plus 40 km, c'est vraiment la fatigue est exponentielle. D'accord. Okay. Alors que là, le fait de dormir. Il y a la phase de repos. Ouais. Je te dis pas que demain on sera nickel. Et toi, t'es pas sur le même challenge que nous en fait? Non, moi je fais l'UT4M 43 ans. Ah, c'est-à-dire que tu fais qu'aujourd'hui? C'est ça, aujourd'hui. D'accord. Un petit peu feignant. Ouais. Ah, mais non, putain. Tu rigoles quoi. Il y en a plein qui sont pas capables de courir 10 bornes. Donc, voilà. 40 bornes avec 3000 mètres de dénivelé. C'est, ouais, et encore, c'est 48 aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça. Non, non. Faut jamais se sous-estimer, ni se surestimer. C'est vrai. Tu vois? Mais se sous-estimer, c'est pas bien non plus. Toi, t'es parti dans quel esprit sur ce challenge? On va juste faire un dernier bloc avant le tour. Hein. Ouais. Et puis profiter des paysages, parce que je pense que ça va être magnifique ce qu'on va rencontrer. Ah, je croyais que tu voulais juste profiter de ma présence. Non, toi, je m'en fous un peu. T'es vraiment un enfoiré quand même. Je vais jamais dire un mot gentil. Mais si je t'avais mon bichon. Ah, il a dit et il le pense. Donc, vous voyez là-bas au fond, c'est Grenoble. On est parti de là-dessous à Vif. Et on est monté dans le Loisan. Tu vois? Ouais, c'est Grenoble. Ouais, là, là c'est Meldon et là, c'est la Chartreuse à bas au fond. Et nous, on est dans le massif de Loisan. Ah, c'est le premier beau panorama de la course qu'on voit. Putain, on voit bien Grenoble. Hein. Et Meldon, on ira demain. Meldon, on ira demain. Demain, on va aller là-dedans. C'est une grosse sensation, Ludo. Ouais. Vas-y, hein. Non, mais j'ai pas envie de gagner. Je vais t'amuser. Non, mais j'ai pas envie de me brûler. J'ai pas envie de me brûler. Mais bon, c'est chouette d'avoir de se sentir bien quoi. Non, mais vraiment, si tu veux t'essayer, vas-y. Allez, Ludo, t'es une légende. Fais honneur à Zaza Reporter. Allez, Ludo, je vais écouter avec toi. Je te dois combien? Pas du tout. Que des encouragements. Merci. Allez, bonne route. Bonne journée. Merci. C'est vrai, je t'avais dit. J'ai une légende. Ouais. Tout à l'heure, on était là-bas. À la station de ski. Hello. Hello. Excuse me. Go, go, go. Excuse me. Ça va, toi? Merci. Ça s'en met de dénivelé à faire à bloc. Manifestement, on va tout en haut. Et je crois que là-haut, c'est 2300 mètres, un truc comme ça. Une bonne jambe. Et la grave, et à l'ombre, on serpente là-dedans, les dévassés, c'est cool. Bon, pour l'instant, je fais une montée correcte. Et évidemment, Denis m'a lâché, enfin, il m'a lâché, mais il avait la permission. Il y a eu super jambes et un secteur chronométré, donc je lui dis d'y aller. Je monte à mon train tranquille. Et voilà, on le retrouve à l'arrivée et puis il me devra une bière du coup. Du coup, il a dû passer tellement vite qu'il n'a pas pris le temps de regarder les paysages, je suis sûr. Allez, voilà. En ultra, on ne le fait jamais ça, d'accélérer. Parce que ça fait monter de l'actique. Dans les jambes, mais après on a plus de jambes. Donc moi je pense que derrière, je serai bien entamé. C'est là qu'on verra si la récupération est bonne ou pas. On arrive en haut de la section. Là, j'ai tout donné. Ouh.
La Beaufort Grenoble, tout à cuvette. Ah, c'est superbe. On va pas rester trop longtemps parce qu'il fait froid. Il y a du vent. Bonjour. Bonjour, attention, zone dangereuse. Ah bon. On est sur la crête là. Et c'est pas très large. Voilà, là on est en haut de la crête. On a monté tout ça. Là, la dernière difficulté du jour, un petit 500 mètres de dénivelé. Et après, on bascule faire une descente qui va être longue parce que je crois qu'on descend plus de 1500 mètres de dénivelé, donc ça va faire mal aux pattes. Et là, je me suis remis en mode ultra. Pour pas trop puiser parce qu'il nous reste quand même derrière 3 journées. Pardon. Merci. Ça va pas. Quelle montée de merde j'ai fait. Mais bon, j'ai. Je sais pas si c'est une hypo, mais. Si c'est une hypo, j'arrive pas à récupérer. On passe. Là, c'est l'arrivée. Voilà. J'adore. Voilà. Ça y est, vous êtes badgé. C'est bon. Je suis combien? Déjà, t'es pas. Le 20ème. Ah ouais. Ouais. Top 20. Top 20. Cryothérapie juste après la course, ça ne va pas mieux. Ah, top! Nous sommes jeudi et on a bien dormi. Je regarde où on est descendu hier, c'est là-haut. Et maintenant on va monter de ce côté. Ouais. Je crois qu'on se prend 1000 mètres de dénivelé en 2 km, un truc comme ça quoi. C'est ça, ouais. C'est un kilomètre vertical. Bah, tu vois, on est là, ouais. Ici, parce qu'on fait le massif de Beldon. Ce qui veut dire que on va monter jusqu'à la croix de Chanroux, ça fait à peu près 1500 mètres de dénivelé d'entrée. C'est un bon échauffement, hein. Ah, et alors, comment s'est passé hier? Je crois que je finis 35 minutes derrière toi. D'accord. Et aujourd'hui, c'est moi qui. Tu vas me mettre la fessée ou quoi? Bah, évidemment, non, puisque ça commence par. Par un kilomètre vertical, donc tu vas partir d'entrée. Tu vois, tu rigoles, quoi. Bah, si. En plus, toi, t'as quand même une place sur le podium KT à défendre. On n'en parle pas. La première, en plus. Ah ouais. Après, par rapport à un vrai ultra, franchement, d'avoir dormi, non? On verra ça tout à l'heure. Attends, là, t'as l'impression que t'as rien fait. Vrai, imagine que t'aurais dû enchaîner ça et ce qui arrive derrière. C'est pas fou. J'ai un pantalon. Oui. Et puis j'ai un truc imperméable. Couverture de survie, tu me l'as montré. Bon bah allez, bonne balade. Ouais. Ça grince, hein. Voilà, on a fait un petit tour de ville de 3 km pour étirer le peloton. Et là on va attaquer la montée. Il fallait se placer parce que ici là, une fois que tu es dedans, c'est difficile. Alors après le 50 bandes d'hier, c'est sûr que les cuisses elles sont un peu
endolori, mais je pense que après quelques kilomètres, ça ira. Pardon. Bon, je te rappelle que t'as le maillot du meilleur sprinter, pas du meilleur grimpeur. Ouais, mais bon, on fait ce qu'on peut. Tu t'es pris au jeu du sprint ? Ben, j'ai pas fait attention en fait. Ouais. Je savais pas trop où c'était. Moi, j'aime bien les descentes, donc ouais. Dès qu'il y a la descente, j'aime bien envoyer. Donc c'est pour ça que je me retrouve. Mais j'ai vraiment pas fait attention aux balises. Je vais faire un peu plus attention aujourd'hui. Bon, le rythme va bien, mais accélère pas quand même. C'est pas assez pentu encore. Pas assez, ouais, voilà, bah. Ça va mieux maintenant avec ça. Ouais, ça va mieux. C'est gentil. Hein. Bon, là on est bien dans le dur. Ça fait une heure et quart qu'on est parti. Et ça n'arrête pas de monter. On n'a pas une seule partie de relance. Alors, dans la course, il y a les gars qui font le challenge, donc ils font les 160 bornes en 4 jours. Il y a des gars aussi qui sont engagés sur uniquement sur la journée et qui font donc 40 km. On se fait combien de dénivelé à l'heure nous là en ce moment, vous savez? On fait du 1000 à l'heure. Pour ceux qui ça parle, ça va vite 1000 à l'heure. Allez. Tu peux me mettre de l'eau s'il te plaît? Ouais. Vous voulez de... Tu peux mettre de l'eau, s'il te plaît? De l'eau? Ouais. Un peu d'eau, moi, si vous avez. Merci. Oh. 5 km, 600 mètres de dénivelé. Ouais, pas de chien en route. Allez, les gars, super. On va aller quelques mètres de chien en route. On arrive bientôt en Haute-Chirouz. C'est la principale difficulté. En fait, c'est à peu près 1600 mètres de dénivelé ou 1700. Et là, ça fait 2h12, on est parti. C'est vraiment des conditions plus difficiles aujourd'hui. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez, 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 avec courage. Allez, courage. Après, je crois qu'on va en face. Allez. Vite, bâton. Allez, les gars. Il pleut de plus en plus. On commence à capoter. Moi je suis un peu moins bien sur la deuxième montée, mais c'est normal, j'ai beaucoup puisé sur la première. Mais bon, ça va quand même quoi. Là je suis rattrapé par un bon groupe. Des mecs qui étaient hier 7ème, 6ème de la première manche. Donc si je suis doublé, c'est pas grave, je suis pas vraiment à ma place en fait. Et oh. Bon, pas si c'est rattrapé comme ça. Dès qu'on peut courir un peu, on remet la machine en marche. Même si ça monte un peu. Pardon ? Il y a un gars juste devant là-bas. Tu peux le rattraper. Allez, go, go ! C'est beau ! Youhou ! Wow ! Wow ! Yeah ! Désolé, le badge ne marche plus, 750. D'accord. 11h31. Ok. Là, c'est le début de la deuxième. Moi, je suis quand même très remonté, mais je ne vais pas la faire. J'ai envie de garder un peu de force pour le
la descente. Tu crois qu'on va se faire ça hein? Pardon? Tu crois qu'on va faire ça? Ça? Ouais. Ça c'est le dernier hein? Le ouais. Dernier rampe. Rampe. Ouais. Ben oui, il y a une petite rampe. Après? On a fait soleil. En l'espace de 20 minutes. Ça c'est la montagne. Je pense que le sommet là-haut. Là ça monte beaucoup beaucoup. C'est la grande ici? Le grand colon. Putain Grenoble. Tu vas voir c'est magnifique. Ah c'est ouvre les yeux. Les gars c'est magnifique. Waouh. Regarde ça. Waouh. Photo photo photo. Bonne descente, alors attention dans la descente après la prairie herbeuse sur le chemin où c'est marqué passage dangereux. Ça peut ouais. Glisser et puis ça part vite sur le côté droit. Autant j'arrive à monter en ce moment, autant j'arrive pas à descendre. C'est magnifique ce massif de Beldon, je ne connaissais pas. Il est réputé pour être un peu technique et donc difficile. Sa réputation est très dure. Bonjour. Et dire que mon zinzin là il doit être devant en train de crapahuter. Je suis sûr qu'il va rentrer dans les 15 premiers faciles. Putain, 2h10 pour descendre du sommet là-haut. Putain, incroyable. Oh, c'était trop long. Voilà, Denis Clerc, mesdames et messieurs. Voilà, sur son arrivée, dans le top 10, Denis est surtout le premier de sa catégorie encore aujourd'hui. Deuxième journée pour lui. Ouais. Franchement, autant hier j'ai adoré la descente, la dernière descente, parce qu'elle était technique et tout ça, autant j'ai détesté celle-là quoi. Elle est trop longue, 2h, j'ai mis 2h10 pour descendre de là-haut. Un truc de fou, à part ça j'ai adoré la première montée. J'ai envoyé comme un malade, j'étais dans un groupe qui n'était pas du tout à mon niveau, quoi. J'étais au-dessus de mon niveau. C'est vrai que j'ai un peu payé sur la fin quoi. Mais voilà, pour moi c'est une bonne journée. Merci à toi Denis Clerc. Vous pouvez me l'applaudir encore une fois mesdames et messieurs. Prenez vite en deux sur le challenge et ça va continuer. Étonnamment je me suis fait la cerise, refait la cerise sur les 3 derniers kilomètres. On va s'en contenter. Bravo mon bichon. Je suis un petit peu en retard, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Y a pas de problème. T'es à l'heure, t'es là. Ça va alors. Allez. C'est dur. C'est chaud, hein? Ouais. J'avais, je sais pas, j'ai le corps qui est monté en température et j'arrivais pas du tout à avancer. Quoi. Et moi, j'ai trouvé ça plus dur qu'hier. Hein. Ah ouais, moi aussi. Le parcours est plus dur. Hein. Tout est plus technique, quoi. Pas de sensation du tout, quand même. C'est revenu dans la descente. La descente était pour toi. Ouais. Ça doit être dur d'enchaîner la grande descente et la grande montée. Carrément. Aïe. Putain, mais t'es encore là toi? Ouais. Ouais, hier tu m'as pas vu hein? Pas beaucoup là. T'étais où? J'étais devant. Ah, merde. Alors je déconne. Non, hier j'ai un peu explosé. Ouais, j'ai explosé. Non, bah, t'as pas explosé, t'es pratiquement gardé même place au classement général. Oui, j'ai explosé en fait, pas grave. Bah aujourd'hui, c'est la troisième journée, les amis. Donc aujourd'hui, on va aller visiter le massif. On fait aujourd'hui le Vercors. Le Vercors, massif du Vercors. Après avoir fait hier Beldon et avant-hier Loison. Mais c'est moins technique apparemment. Ouais. Déjà, on prend 1700 mètres sur la première montée. D'accord. Mais sur 20 km alors qu'hier c'est sur 9. Ah ouais, c'est pas pareil. Donc aujourd'hui on va encore en avoir pour 6, 7, 8 heures, ça dépend si c'est plus si affinité. Il y a aussi Cyril Bouvier, hein, si jamais tu peux venir nous rejoindre. Cyril, eh bien c'est notre meilleur sprinter parce que derrière ça commence à serrer très fort. Ça va les gars, ça va. Alors,
amis trailer. Lauriane, comment tu trouves alors ce challenge? C'est super expérience. Ouais. Alors, c'est des copains, ouais, des paysages. Et la formule, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai choisi ça parce que c'était une super prépa pour la diagonale. La formule idéale. Ça va les gars? Mais tu sais qu'hier j'ai failli parler à toi. Ouais, très bien. Bon, ça va, t'as une bonne course hier, t'as perdu d'heures. Ouais, bonne course, mais il y a des traces. Ah ouais. Ouais, c'est lourd. C'est dur. On va s'échauffer tranquillement en sortant de Grenoble. La concentration. Donc ça part des rues de Grenoble et on va aller en face dans le Vercors. Tu vas voir, c'est magnifique. On est vraiment dans un beau pays. Bon, tu repars pour faire doubler là? Oh, ça sera dur. Hein. Ouais. Il y a vraiment des costauds là, plus que l'année dernière. Après, je pense que je peux faire une bonne place, mais jouer la gagne, il faudrait vraiment de la chance. L'année dernière, j'ai fait 4ème B2 ici sur le 90. Ouais. Mais j'étais malade. Mais tu pars super vite, non? Ouais, un peu. Bah après, je vais pas me faire bloquer dans les sentiers d'accord. De trace. Donc ça, c'est un peu le truc. Ouais. Et après, je vais gérer. Je pars un peu vite. Après, parce que là, oublie pas qu'il y a des mecs qui font 40 simplement. Ouais, c'est ça. Et il y en a beaucoup devant. Ouais. Alors. Je vais me méfier. T'as un pote à Carole? Ouais. Ah, ok. C'est toi qui reviens fort, c'est ça? Si, c'est vrai, t'étais bien hier. Ouais, j'étais bien, ouais. Le zinzin. Ouais. Toi aussi, t'étais bien, les salauds. On est en descente. Ouais. Super content de faire ta connaissance. Ah, parfait. J'ai vu tous tes films. Ouais. T'as été un de mes inspirateurs. Ah, super. Vraiment, c'est dans le trail, donc c'est bien. Je vais voir si je peux être fier de toi, alors. Oulala. Tu sais, moi, j'y vais en mode finish. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas sur un rythme d'ultra. Alors là, on est sur un endroit un peu mythique de l'UT4M. On est sur les escaliers du tremplin olympique des Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble, à Saint-Nizier. Le truc n'a pas bougé depuis 68. Les escaliers sont toujours là. Et les marches sont hautes. Il est là le tremplin. Merci. Il y a le tremplin. Allez. Mais là, c'est cassant les marches, non? C'est pas cassant? Ouais, c'est ça. Les marches font vraiment mal. Ouais. Allez, courage. Merci. Bon, c'est à partir de là qu'on attaque alors. Merci. Sommet de la première difficulté. Comment il s'appelle cet endroit déjà? Bah, c'est le sommet du Bushrod. Du
Moucherotte. Grenoble, c'est la soupe. Merci. Comment il va? Ça va. C'est bien joli par là. Super là. Bon, j'ai pas des jambes de killer aujourd'hui. Bon, c'est très tout ça. Merci. Bravo. Merci. Il reste combien jusqu'à l'arrivée là? On est au 21ème. Bon, c'est là je me la monte au courage hein. Parce que j'ai plus beaucoup d'énergie. Alors on arrive en haut du pic Saint-Michel. Bien chier. Je vais quand même regarder la vue quand même. Ah bah quand même, il y a un peu le Mont Blanc au fond. Donc... Il est où le Mont Blanc? Là-bas, à gauche. Le Mont Blanc, top, Grenoble. Et là c'est Loisan en face. On voit le pic de la Mèche pile en face de toi là-bas. Ah ouais. Allez, allez, bon. Descente, d'accord, j'ai beaucoup de chance. Voilà monsieur Zanzin qui arrive au ravitaillement de Saint-Paul-de-Vars. Donc il te reste 8 km et une petite montée que Fabrice décrit comme très désagréable. Mais bon, t'es au taquet. Tu vas tenir le coup. Ouais, et, je peux y aller tranquille. Bah ouais. Je vous présente les ultra amoureux. Oh. Et il y a tout le monde qui le reconnaît, qui dit putain c'est le vainqueur et tout de la première édition, mais alors moi personne ne le reconnaît. C'est pas vrai. Non. Mais c'est cool de pouvoir se doucher, d'aller bouffer une glace l'après-midi, un bon petit Perrier menthe. Ça c'est classe l'hiver. Exactement. Tu dors bien. Bon après ça revient vite le lendemain quand même. Toujours aussi dur. Hein. Alors hein. C'est dur. Toujours. Malgré les entraînements dans cette côte, c'est toujours la même. Ça change pas. Hein. Voilà. Fin de la première montée et on descend à Vif. C'est ici. C'est là où on est parti le premier jour d'ailleurs. Et voilà, il nous reste 6 km de descente que je vais faire à ma main parce que je vais garder un peu de jambes pour demain moi. Voilà, c'est arrivé. Yes! Alors ça sur le challenge mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Thierry Zinzin reporter, un garçon que vous avez l'habitude d'entendre et d'écouter. Denis, comment ça s'est passé aujourd'hui là? Vous êtes parti comme des bombes. Ouais on est parti trop vite, je suis parti trop vite et j'ai pris une mûre moi après le tremplin. J'avais super mal aux jambes. Après j'ai géré ce que j'avais à gérer, donc mentalement je me suis dit bon par rapport aux autres qui font 160 d'un coup. Aujourd'hui on a que 40 km, même si on a déjà fait 90 km, donc on a aujourd'hui on a 125 dans les jambes quoi. Mais ça va, franchement ça vaut le coup de faire ça par étapes, plutôt que de le faire dans un sens. On a encore vu un spectacle exceptionnel sur tout le Vercors. On en prend plein les yeux depuis 3 jours. Je remercie les T4M, c'est génial. Maintenant j'ai la trilogie. Ouais.
Voilà, donc Belledonne, Loisan et Vercors. Il me reste plus que la Chartreuse, j'ai hâte. Et la Chartreuse demain, ça va s'écrire. 139 plantes normalement pour créer le breuvage. On va voir si vous allez pouvoir les récupérer sur, sur tout le parcours, sur les 40 km. Bon, vous avez déjà vu la gueule d'un, mec de 50 ans qui en fait 70. C'est moi. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je veux pas y aller. Ouais. Il n'y a pas que les yeux qui piquent. Je te rassure, c'est pour tout le monde pareil. Ouais, putain, j'en peux plus quoi. Non, franchement, c'est bien ce challenge, mais le quatrième jour, franchement, j'aurais bien. Ouais, quand on sera dedans, ça ira peut-être mieux, mais le lever ce matin là. Ouais, voilà, j'en ai ras le cul. C'est rude quoi. Moi, j'ai mal partout. En fait, j'ai surtout mal aux pieds. Ouais. Tu vois, un peu au bide là, mais bref, j'ai pas envie d'y aller en fait. Ouais, c'est surtout que la météo nous annonce la grosse flotte à partir de 10h. Ouais, hein. On vous rappelle que dans votre sac, vous devez avoir tout le matériel obligatoire. L'UT4M 160. Bienvenue dans ce monde d'aventure et de nature. Je pense que les montées me font pas peur, mais les descentes me font peur à cause des pieds, quoi. Après, je verrai. T'as une place à défendre, non? Non, enfin oui. Allez. 4, 3, 2, 1, allez-y! Aïe. Ouais, bonne course. Bonne course. Ouais. On va serrer les dents. Ok. Allez. Hey, bye. Ciao. Vous entendez ces souffles courts? Ces mecs qui marchent sur les pointes. Ça veut dire que ça monte, mais alors. Truc de malade là. Oh. Ça réveille les muscles. Putain, ça fait que 30 minutes, ouais. Wow. Allez, bravo, allez. Magnifique. Tu trouves? Oui, oui, il y a un bon rythme là. Allez, c'est régulier. Allez, on relance là. Mes couilles, on relance. On relance rien du tout. C'est bon, hein, Nico. Allez, ce qui est chouette sur le challenge, c'est que pendant 4 jours, on est avec les mêmes mecs. Du coup, voilà, on se voit, on se croise, on se recroise au départ, à l'arrivée. C'est l'autre bon côté de du T4M Challenge. Bon, bah, je sens qu'on va avoir une. Une bonne journée de merde pour finir l'UT 4M. Mais dommage. Enfin, que les paysages étaient magnifiques du côté de la Chartreuse. Je crois que on va avoir droit à brouillard, froid, pluie et boue. Deux heures de course. On arrive enfin à Réusagement, je suis bien content parce que j'ai plus d'eau. Et je vais retrouver mes amis, Fanny et Fabrice. Hop. Ouais, j'ai plus d'eau d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'il y a à bouffer ici? Ah bah regarde, tu veux quoi? Du fromage, de la pastèque? Non, il y a du thé, il y a du thé par exemple. Ouais, du thé. Ouais, du thé, ouais. Ah. Ok, j'ai pigé. Non? Putain, mais c'est là qu'il faut venir. Ah. Bon, on est bien là? Oui. Non? Pourquoi l'UT4M?
Et Fanny, on est bien chez toi? Ouais, un peu de sucre si t'en as, mais bon. J'en ai là, mais je sais pas, je t'en ai pas une pour l'instant. Regarde, c'est brûlant. Ouais. Tu veux que je t'en mette? Ah, genre, ouais. Bonjour, Denis. T'as la patate ou? Ouais, bon, on le fait à deux. Ah ouais? Avec un copain et je l'attends. D'accord. Donc là, je vais attendre un petit moment, je pense. Toi, tu m'as mis un vent là dans la moto? Ouais, ouais. Après, je pense que j'ai moins envoyé que toi sur les trois premiers jours. Ah ouais, donc, ouais. Les jambes sont là. Ouais. T'es combien là au classement? Tu es 13. Ouais, bah ouais. Moi je suis 40, donc tu vois, les jambes, ouais. Je les ai préservées. D'accord. C'est génial. On revoit les mêmes têtes, ouais. Tu dis bonjour. Moi dans le challenge, j'en ai 20-25, je connais leur vie. Ouais, c'est ça, ouais, c'est chiant. Doux, Supon dans la vie. C'est génial. Merci. À bientôt. Champion du monde. Ok. Il est où Fabrice? Ouais, j'y vais, ouais, parce que faut. Je peux pas rester là toute la journée. Ouais, ça a l'air d'être bien. Hein. Ouais. Merci les gars. Bon courage. Ok. Allez. Allez, allez. Allez. Je suis fou et fier de toi. Veux-tu m'épouser, ma Titi? Ma Titi, c'est pas moi. Moi, c'est Nini, mon surnom. J'ai bien mangé. J'ai bien bu. Là, je peux repartir. Allez, les gars. Ouais, c'est un peu dur pour le moral, mais on croise donc les premiers. Alors, les premiers du 40 aussi. Hein. On est pas sur la même course. Hein. Dossard jaune, 7,40. Les chasubles blanches, et ben c'est ce qu'on fait nous, c'est qui arrange. Peut-être croiser mon bichon. Peut-être qu'on finira ensemble. Je sais pas si je vais croiser les zinzins. Ou s'il est déjà passé, c'est possible, hein. Ça dépend comment elle a monté. Je m'en rends pas bien compte. Après, on descend là-bas. Et le plus dur sera quand même fait. Même s'il reste deux coups de cul après. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce final pour les challengers? C'est cool, non? C'est super pour les challengers. Ça met un peu de défi, un peu d'environ. Heureusement qu'on a eu de la pluie, sinon ouais. Ça aurait pas été marrant. Hein. Ah, sympa. C'est pas grave la pluie. Bon, ce serait bien amusé, quoi. Ouais, écoute, super formule, je trouve. Ouais. Franchement, ça permet de doser ton effort tranquille, prendre du plaisir et voir tout le jour en plus. Exactement. Et de pas souffrir comme sur un ultra, en fait. Ouais, ça c'est assez génial. C'est vrai, hein. Ouais. Moi, c'est ma. J'en étais sûr, hein, mais avant de venir, mais. Ça montre bien que un ultra, l'effort et la douleur est exponentielle. Ouais. Alors que si tu te reposes un peu, ça reste supportable, quoi. Ah, écoute, les jambes, elles vont bien. Hein. Ouais. Allez, les gars. Bravo. Allez, challenger. Allez, allez. Courage. Allez, courage, hein. Courage. Et bien, il pleut toujours. Et on est dans la. Je crois qu'il nous reste deux petites montées là. Petites entre guillemets. Alors, désolé pour cette interruption, mais j'ai un problème de batterie. Et voilà, nous sommes pratiquement à Grenoble. Voilà, c'est là. Les conditions ne sont pas faciles aujourd'hui. Beaucoup de pluie. Ça fait bien 5 heures qu'on est sous la pluie. Et donc là on descend d'un endroit un peu mythique de Grenoble. C'est les escaliers de la Bastille qui se trouvent au-dessus de Grenoble. Messieurs, dames, Grenoble. Bon, et donc maintenant il n'y a plus qu'à descendre là. Il n'y a plus qu'à descendre. Allez. 4 bornes. Ah, c'est dommage, c'est un peu bouché quand même en face. C'est quoi donc en face? Là-bas, c'est le moucheron où on était hier. C'est là où on était hier. Quand même. Quand même. Là, on suit la ligne, on va dire jaune. Non, verte. C'est mieux. C'est marqué UT4M. Alors là, je suis super ému. Ça me donne même des frissons.
Oh, c'est pas forcément parce que je suis à Grenoble, mais c'est parce que je suis dans cette rue, la rue Saint-Laurent. Et il y a 25 ans, j'ai habité dans cette rue, j'étais étudiant à Sciences Po Grenoble pendant 4 ans. J'étais le numéro 10, je suis jamais revenu. Je me rappelle même plus où est entré. Putain, c'est où déjà? Elle était super belle là-bas. Oh, c'est là! Putain, elle est toujours là. Normalement, elle appuie là et ça. Et voilà, ben ça marche tout le temps. Ah putain, je suis trop content. Le 10 rue Saint-Laurent. Top. Bravo. Ah. La vache. Là, on passe sur l'Isère. Qui c'est qui me rattrape dans Grenoble à 500 mètres de l'arrivée? C'est Lulo! C'est Denis! Voilà. Ça va? C'est à droite? Ça va? Ah ouais, ça va. J'étais en train de prendre mon temps, me dire que c'était bien. Bon. La lire avec Denis Clair et il est en train de passer l'instant. Linda est en haut de Mille. Super. Ça va? Un nouveau concept que tu as vécu, les premières conclusions qu'on peut en tirer. Bah écoute, je voudrais savoir le temps de celui qui a gagné du T4M en solo. Ouais, mais on va te le dire, bien entendu, donc c'est un petit... 26h35, je pense que moi je passe son temps en faisant le T4M challenge. Pourtant je suis pas meilleur, hein. Mais c'est simplement que ça démontre bien que quand tu peux te reposer le soir, récupérer, passer chez le kiné, faire un peu de trio, bah, le lendemain tu repars avec d'autres jambes, quoi. Et moi je trouve que c'est vraiment bien pour ceux qui veulent se lancer sur un ultra, qui savent pas encore s'ils ont la capacité ou pas. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, le T4M challenge. Tu fais tous les jours 40, 45, 50 km et voilà, et tu vois que ça tient. Bon ben voilà, maintenant voilà, c'est fait. En 25h51, il nous vient, oh, c'est lui dis donc, des Zinzin reporters, monsieur Denis Clair. Alors lui, il a eu une lourde charge tout au long de son parcours, Denis, c'est qu'il était à la fois tous les jours le premier V2 arrivé, et tous les jours il avait la lourde charge d'être avec sa caméra parce qu'il a fait un reportage inside. C'est un rythme assez incroyable parce que on fait 160 bornes sur un rythme de 40 km. Et on n'est pas si fatigué que ça, alors que moi si je fais un ultra de 160 bornes, franchement je ne peux pas monter ici, hein, je suis à mon âge, il faut le dire au modulateur. Je dis juste, hein. La troisième place. Il est pas mal, non? Hein? Bah ouais. Bravo, bravo. Il n'y a même pas marqué V2. Félicitations. Deuxième place.